Ouais, salam, salam. Le maréchal de la brigade anti-sorcier. Ici, c'est Lyon. Voilà. Ici, c'est Lyon à cette date de mardi. Le mardi 9 octobre 2018. Je suis à Lyon ce mois. Et c'est moi qui vais faire la cuisine aujourd'hui. Faire à manger la grande dame et à toute la maison dans mon jardin de Jessmané. Jessmané, c'est un endroit où on reconnaît les véritables personnes. C'est à Jessmané que tout se détermine. C'est à Jessmané que Jésus va être plus angoissé. C'est à Jessmané Jésus va rencontrer, il va connaître la plus grande des trahisons. C'est à Jessmané Jésus sera abandonné. C'est à Jessmané que Jésus sera plus angoissé. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Il y a des choses qui doivent arriver. On ne peut les empêcher. Ça fait partie de notre destinée. Mais au-delà, il y a la gloire. C'est à Jessmané qu'on reconnaît les véritables amis. C'est à Jessmané qu'on découvre le vrai visage de ceux qui étaient avec nous. C'est à Jessmané qu'on reconnaît qui était réellement avec nous et qui ne l'avait pas. C'est à Jessmané qu'on découvre le vrai visage de nos amis et de nos ennemis. Voilà, ce qui était réellement en mission, c'est à Jessmané. Jésus dit, vous n'avez même pas prié une heure avec moi. Jésus comptait, n'est-ce pas, si certaines personnes, les fils de Zébédée, donc Pierre, tout ça. Le même Pierre qui a dit, non, on ne pourra pas t'arrêter. Le jour où on t'arrête, je suis prêt pour toi, je vais te défendre. C'est le même Pierre pendant Jessmané qui a commencé à faire biolololololololo. Et Jésus lui dit, vous n'avez même pas prié une heure avec moi. Parce que les temps qui suivent, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des païens. Il sentait la trahison la plus totale de sa vie. Il voyait l'humiliation la plus totale. Les gens sur lesquels pouvaient compter l'avaient abandonné. C'est ça, Jessmané. Jessmané. C'est ça, Jessmané. Mais le problème, c'est qu'à Jessmané, Jésus va dire, malheur soit celui par qui le Fils de l'homme est livré. Mais c'est ça le problème aussi à Jessmané. À Jessmané, Jésus veut connaître l'angoisse. C'est à Jessmané qu'on découvre le vrai visage de certaines personnes. C'est à Jessmané. Est-ce qu'on est vraiment Judas? C'est à Jessmané qu'on découvre. Est-ce qu'on est vraiment celui-là pour relier? C'est à Jessmané. Les gens qui disaient, oui, Jésus est le Fils de Dieu, ils vont le renier, c'est à Jessmané. Sinon, à mon Jessmané, je découvre les vrais visages. Béatrice vient ma première fille. Nous sommes à Jessmané. Viens ici, viens dans mon jardin de Jessmané. Elle est venue nous rendre visite à Lyon. Or, ici, on est plus ou moins stressé. Voilà. Et c'est moi qui ai fait le repas aujourd'hui. Imaginez-vous ce que ça va donner tout à l'heure. Je vais recevoir des invités de taille. Après chasser les démons, je sais préparer. On fait des bonnes choses. Nous, on n'est pas là pour faire des conneries. Gna, gna, gna. Merci pour ceux qui nous ont soutenus pendant cette période, la collecte de fonds. Et tout ça, que Dieu vous bénisse et tout ça. Donc je suis en cuisine. Hein. Voilà, voici mon apprenti. Voici la petite dame. Vous voyez cette dame, ça vient là, elle m'aime beaucoup. C'est ça, Jessmané, on découvre le vrai visage de sa femme. Un beau repas, elle est là. Une femme, c'est celle qui est capable de soutenir un homme. Et de le soutenir jusqu'à là. Ah, n'est-ce pas, ça réussit. C'est ça, une femme. La femme, c'est un pilier. La femme, c'est le soutien. La femme, c'est pas celle qui livre. La femme. C'est cette femme-là. Je vois ça en toi. Souris un peu. On est à Jessmané, là, ou bien n'est pas Jessmané? Si, on a Jessmané. On a Jessmané.
On est à Gethsémané. On est à Gethsémané, tout va bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous montrer un peu de quoi je suis capable, qu'est-ce que je peux faire. C'est à Gethsémané, vous allez voir que ceux-mêmes qui n'étaient pas dignes, qui ne sont rien, ils vont parler sur toi. Ils peuvent même pas se comparer. Personne ne pouvait se comparer à Jésus. Et c'est ces personnes-là qui vont venir. C'est à Gethsémané, on va voir que Caïphe, n'est-ce pas, et Hérode vont se mettre ensemble. Les deux ennemis qui étaient auparavant vont se mettre ensemble pour une seule chose, pour livrer Jésus. Ils vont former des blocs, clans, pour livrer Jésus. Je vais préparer. Je suis dans mon Gethsémané. Je vais préparer. Qu'est-ce que tu veux? Je passe pour toi aujourd'hui. C'est la sauce arachide. Bon, d'accord. Non, 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 graine là. Je ne suis pas prêt pour ça. Parce que graine, il faut mettre Tikliti dedans. Il faut envoyer le feu de Tikliti. Je vais t'assister, je vais te montrer. Assiste-moi. Ok, bon. Tu peux venir. Ah, mange. Sinon, viens. Non, je vais montrer une bonne recette aux gens. Ils vont voir de quoi le prophète est capable. Hein? Faut me filmer un peu. Comme ça. Est-ce qu'il y a plat là? Non, il y a poisson frit, poisson frit. Il n'y a pas plat là? Non, plat là, dans cette arachide. Bon, la sauce arachide. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu fais frire ton poisson. Attends, je prends les œufs. Il sait au moins que tu cuisines bien. Chez nous, au village, on paie la mer. On est anti-chaleur. Seigneur, tu la vois, c'est mon soutien, bénis-la. Seigneur, tu la vois, c'est mon soutien, bénis-la. Bénis-la, 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 amen, Seigneur, bénis-la. Seigneur, tu la vois, c'est mon soutien, bénis-la. Seigneur, tu la vois, c'est mon soutien. Bénis-la, bénis-la, amen, Seigneur, bénis-la. Oui, donc, bon, pas de sauce. Non, arachide. Ce qu'on va faire, arachide, donne-moi de l'eau, donne-moi un grand bon truc et puis on va. Je vais te montrer un peu sur toi dont je suis capable. Voilà. Je suis grippé. Ben, il faut qu'on mange un peu. Il faut qu'on mange. Laisse-moi te faire, laisse-moi laver les mains. L'hiver, ma cuisine. Ok. Regarde seulement et puis regarde de quoi je suis capable. Oui, chef. Si vous voulez épouser une femme, épousez la meilleure. N'épousez pas les femmes qui vont venir manger seulement. La voyez, je ne suis pas bien, mais c'est préparé. Hein. Vous pouvez rencontrer, mais il y a des filles qui sont rares, des femmes. Quand vous rentrez dans un magasin, c'est la vie qui te plaît que tu t'y achètes. Chacun a son goût. Tu t'es trompé, que tu choses 42 et qu'elle est prendre pour 46. L'histoire de 46, tu vas gérer ça avec tes orteils. Tu vas marcher comme Zézé dans la rue. Et tu vas rendre témoignage de la chaussure. Pour prendre ta pointure. C'est comme ça. Je peux tourner votre poisson, moi. Tournez le poisson, madame. Tournez, tournez. Et tu fais uniquement que ça. Le reste va partir. Restez dans tourner seulement le poisson. N'allez pas plus loin que tourner le poisson. Tournez le poisson. Venez ici, ma fille. Voilà, donc si vous voulez faire la sauce arachide, d'abord,
Hein? La pâte d'arachide, faites ça comme ça. Vous mettez ça un peu dans le truc comme ça. Tu vois? Oui. Suis un peu. C'est d'un coup. C'est 10 euros par minute, la minute. Pas de problème. Ah ben c'est cher, hein? Même oui, pas une heure. Non, c'est pas minute. C'est cher. Mes cours de cuisine sont pas minutes. Voilà. Parce que c'est avec art que je prépare. Je vais te mettre les petits trucs. Et puis on va faire les commandes. Tu vas venir de l'Afrique tout à l'heure. Tu vas venir rentrer dedans. Ça va suffire. Enlève tes histoires et ça ne va pas suffire. Tes paroles, ça ne va pas suffire. J'annule. Ça va suffire. Regardez ça. Est-ce qu'il y a le jumelé? Jumelé, ok. Si le jumelé, ça marche. On va jumelétiser la sauce arachide. Reste tranquille, montez-moi ça tout à l'heure. Quand tu dis ça n'a pas suffi, donc, il y a une inspiration pour rendre ça un peu mieux. Donc, on fait ça comme ça, hein, et on fait ton coup ça comme ça. Comme ça. Je suis chargé de protéger cette part. Quand vous trouvez bon soleil, attaque ça seulement. Le jour n'est pas attaqué, fleuré, c'est tout n'est pas important. Mais le jour où vous attaquez, vous êtes très important. Parce qu'il y a une fée en toute chose. Attaque là. Quand tu vaincras, hein, il te donnera la couronne de vie. J'avais dit qu'un enfant, quand il naît, il rentre dans ce monde, il pleure. Ce cri-là, s'il ne fait pas son le pain, son dit Zadie. Tu viens de naître pour pleurer. Puis l'enfant pleure, on dit, ah, il est rentré dans ce monde. C'est un cri pour dire, je suis venu dans ce monde-là des noussis, des gens où tu vas rencontrer les gens qui vont te trahir. Il faut pleurer. Le monde est fait pour ça. Je vais vivre une vie sans attaque, mon œil. Je suis désolé. Encore la vie chrétienne, c'est la chose la plus difficile. Tu vas connaître l'abandon, tu connaîtras la trahison la plus totale de ta vie. Et quand tu vas vouloir te mettre dans le plan de Dieu, tu connaîtras les choses les plus difficiles, rues de ta vie. Mais ça ne veut pas dire que tu es abandonné. Il faut seulement prendre courage et continuer les choses. Je suis chez moi à Lyon. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu sais que tu ne te reproches rien, mais surtout, tu es zen dans la tête et puis tu continues ton combat. Tu laisses la queue se réduire. Voilà. Moi, je préfère aller aider un enfant en difficulté, aller aider quelqu'un qui est dans les problèmes que de nuire la vie des gens. Sagesse manée, ceux qui ne sont même pas parfaits, c'est eux. Monsieur. Qui vont te critiquer. Bon. Eux-mêmes n'ont pas une bonne vie, c'est eux qui vont te reprocher des choses. C'est suffisant. Okay. Essayez de mettre une autre marmite au feu. Okay. Et puis, je vais commencer ma chose. Mettre une marmite au feu. Il y a des gens, vous allez beau les combattre, ils s'en sortiront un jour. David prend le trône. Il a fait plus de 15 années en train d'être persécuté. Mais il a fini par prendre le trône. Le trône n'est pas une chose aisée à prendre, à posséder. Il a reçu l'onction royale, mais pour accéder au trône, ce n'est pas une messe à faire. C'est dans le combat qu'on voit le véritable héros, le guerrier qui apprend à affronter les combats. C'est ça, il faut affronter. Ils vous feront la guerre, mais ne vous vaincront pas. Car je suis avec toi. Et cette parole, elle est confortable. Il dit, je suis avec toi. Il n'avait jamais serré. Il dit, je suis avec toi pour te délivrer. Pour dire, dans le combat, il y a une issue où Dieu est avec nous dans un combat. Il nous, n'est-ce pas, il nous promet la délivrance. Et la Bible dit, même si elle tarde, elle peut peut-être tarder, mais elle s'accomplira certainement. Parole de l'Éternel. Et ça, c'est beaucoup. Dieu ne ment pas.
On dit même si la parole tarde, mais pourquoi depuis? Non, même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Heureusement que dans le combat, il y a l'Éternel. Le soir, je dois aller au sport. Sport un peu. Bon, tu sais ce que tu vas maintenant faire. Faut me couper les bonbons frais. Et puis, voilà. Non, mets de l'eau, mets de l'eau. La sauce de bénédiction. Et ça va t'édifier et ça te fera du bien. Ça va te réquinquer. Ah, Jessmane, c'est comme ça. Il y aura des vitamines de Jessmane. Jessmane, c'est l'endroit où Jésus a été angoissé. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, non, pas ma volonté. Que ta volonté soit faite, Père. Tout le monde l'a fui. Tout le monde l'a fui. Tout le monde l'a abandonné. Heureusement qu'il y avait les femmes. Pendant un moment donné, c'est fini pour lui, on a servi. Mais ça allait très loin. Ça dit dans la tombe, c'est fini. Sa carrière, son ministère a pris un coup. Il y avait des personnes qui étaient toujours là, qui croyaient. Thomas dit, quoi? Non, il ne croit même pas qu'il peut être ressuscité. Si, la promesse de Dieu, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Ouais. C'est là vous découvrez le vrai visage des gens. C'est là vous réalisez que la vie n'est pas facile. C'est là vous comprenez qu'il faut se consacrer davantage. C'est là vous apprenez beaucoup de choses. Parce qu'on apprend aussi beaucoup de choses. On regarde les hauts et les bas de Jésus-Marie. On sent une leçon de Jésus-Marie. Les erreurs, ce qu'on n'avait pas fait, ce qu'on a fait. On a tiré une conclusion de Jésus-Marie. Mais en même temps, on devait être très prudent, Jésus-Marie. Parce que ça nous amène à comprendre que la vie n'est pas facile. Jésus en moi. Oh, je suis chez moi. C'est quoi? Mets ça là, madame. Je ne vous ai pas demandé de crever, s'il vous plaît. Laissez-moi, laissez-moi préparer, s'il vous plaît. Vous avez quel problème, madame? Mais chez nous, ça, on va couper ça un peu. On coupe ça comme ça. Non. Non, laisse ça comme ça. Et ça va se gérer seul. Mais le poisson fumé, on doit le couper comme ça. On doit le mettre dedans comme ça. Venez voir, madame. C'est des coups. Vous n'avez pas confiné le coup. On n'avez pas confiné 10 minutes. Oui, je sais, mais je et dans la cuisine, on ces coups, on n'est pas distrait. Vous savez, d'accord. Le secret, il ne faut pas être distrait. Il faut suivre ton maître cuisinier. Tu le regardes, tu dis, monsieur, j'ai compris, monsieur. On ne dit pas pas ce que j'ai compris, monsieur. Et bisous, s'il te plaît. Après, on arrête le bisou après. Ça prend, on verra les bisous. Tu es mon élève actuellement. Pas de problème. Les bisous, c'est après. Pas de bisous actuellement. Voilà donc. Voilà ça. Voilà ça.
Mon élève, venez ici. Là. Vous voyez ce que ça donne? Voilà, vous mettez le poisson comme ça, fumé. Quand vous voyez le poisson fumé, vous le coupez, vous le découpez comme ça. Et la pâte de tomate, c'est pour rendre ça rouge. Laissez-moi vous donner. Pouvez-vous. Je goûte, mais. C'est juste dans mon cerveau. D'accord? Et le poisson lui-même. Et monsieur, il va faire son travail. Quand il sera en train de faire son travail, non pas de l'ail cette fois-ci. Ah. Mon truc, il n'y a pas de l'ail. Qui vous a donné l'ail? Le l'ail, l'ail, vous voyez là, on va manger ça un peu dans d'autres choses. Mais l'arachide, pas de l'ail, sinon ça va donner une odeur bizarre. Okay. C'est quand ça va commencer à bouillir. Ça commence à bouillir, bien un peu, on va commencer à mettre l'oignon. D'accord. On commence à mettre l'oignon, tout ça. Et après ça, on aura le bambou frais. D'accord. Maintenant, après, quand ça commence à être un peu lourd, ça va aller dans le sens où ça tombe un peu cuit. Le djoumbé qui est là, quand tu dis que tu ne connais pas, tu n'as jamais mangé, on va mettre le djoumbé. Et ça va rendre encore ça plus lourd. D'accord. Non, le bambou frais, il va s'introduire tout à l'heure. La tomate, c'est après. C'est après, pas maintenant. D'accord. Où le chiffre? Je ne sais pas combien de djoumbé. Il est où le djoumbé? Il y en avait un tout à l'heure. Bon, laisse-moi couper. C'est lavé ça? Et ça c'est bon. Voilà. Vous savez déjà qu'on a déjà fait 20 minutes, vous faites addition, 1 minute à faire 10 euros. Non mais moi pas d'échec. C'est coûteux. Mais pourquoi? Je crois que je vais arrêter la formation là parce qu'au bout d'un moment j'aurai plus de sous. Vous savez où la formation que vous conduisez demain? À la Maison Blanche. Oui. Vous allez faire une bonne sauce à Trump. Et vous serez bientôt chez Poutine. Et puis chez Macron, s'il veut manger son sarrachin, elle a tout. Okay. C'est comme ça. On fait souvent ce que les gens n'ont pas l'habitude de faire. Tu te démarques des autres. C'est ça. Dieu, quand il veut te bénir, te choque aux yeux de tout le monde. Et ça fait bizarre aux gens. Voilà donc le bambou frais, approche ici. Voilà, ça va bouillir comme ça. Hein? Ça va bouillir comme ça. Hein? Oui, où est le doublé? Où est le doublé? Où est le doublé? Où est le doublé? Oui, ça c'est le doublé. Non, ça c'est le grand frère du doublé. Ça c'est l'écran. Hein? En fait, quand je l'achète, je mets le doublé par. C'est doublé aussi, mais je ne mélange pas avec les. Voilà, donc laisse. Laisse là. Voilà. Donne-moi une bouteille d'eau, tu sais très bien. Donne-moi une bouteille, je vais boire un peu. C'est Gethsemane. On dit Jésus à Gethsemane, il a transpiré. Tu vas manger la sauce, hein? Caméraman. La sauce de la bénédiction.
On chasse les démons seulement. On chasse les démons. On chasse les démons. C'est temps encore ce peuple est divisé. Oh, ça fait du bien. Fatigué. Ça va bouillir quand toi la jeune bien, cette manière de faire. C'est le coup. Ça fait ma deuxième bouteille d'eau, je vais finir. Dans la vie, quand tu n'aimes pas, tu es un sorcier. Pour aimer, pour avoir de l'amour, il faut éviter de détruire, il faut aider les gens. Tu n'aimes pas, il faut le détruire. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dans le détruire? Si on ne parle pas de toi, c'est que tu n'es pas important. En tout cas, c'est Dieu qui a le dernier mot. Devant une adversité, Dieu a le dernier mot. Mais quand quelqu'un est zen dans la tête, il est confiant. Parce que c'est ça, il faut avoir confiance. Il dit, mets en l'Éternel ta confiance. Recommande ton sort, c'est-à-dire le sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Les gens oublient l'aspect confiance. Quand on a confiance à quelqu'un, on n'est pas perturbé. On le regarde. Et puis vous regardez comment il vous délivre la situation. Voilà, voilà, venez. Voilà, c'est ce que j'attendais pour vous montrer. Voilà, vous voyez, lui il est têtu. Oui, mais il est têtu, donc regardez. Vous savez, la sauce d'arachide, elle va pouvoir montrer ses jets déjà. Donc, allez doucement comme ça avec ça. Et maintenant, personne ne peut détruire. La France, il y a bouton pour faire envoyer feu ou diminuer le feu. Or, chez nous, aux oies, elle prend bois, elle souffle, ça rentre dans ses narines. On ne sait pas, peut-être petite narine là, somme un peu dedans, ça devient gumbler dedans. Eh Dieu! Elle souffle le feu dans ses narines là. Elle est au moment qu'il mange. Et quand tu manges, c'est doux. Yeah, maman, mamie a préparé. Oh, il y a eu les petits qui mangent, bizarre, qui sont rentrés dedans. Et ça a aidé la sauce. Bon, il est comme ça. Hein. De la sauce qu'on mange la deuxième année. Moi, il t'est délivré. Non, au moins, ça a été exprimé. Ça donne tous les calories possibles. Bon, demain, peut-être. Bon, maintenant, j'ai arrêté de manger tout ce qui est blanc, sinon demain, je pourrais faire une sauce à. Non, je fais une spéciale sauce grecque pour vous. D'accord? Je fais une sauce grecque pour vous. Qu'est-ce que vous voulez manger dedans? Vous me dites, donnez-moi le truc. Hein? Ce soir, je vais faire le marché. Puis je vais venir vous dormir. Il y a trois ans. Il y a des graines, Donc, moi, je vais vérifier ce qu'on peut mettre dedans, les petits, les petits secrets. Les petits trucs, quand tu mets, ça impacte les gens. Tu vois, non? Quand c'est en train d'être cuit, tu vois, oui, ça a l'air comme ça, quand tu tournes, tu pourrais être abaissé, mais tu tournes un peu, ça se stabilise, tu vas voir comment ça va aller, quand ça sera un peu truc, on va maintenant penser à mettre ce qu'on va mettre. Oui, la tomate. Maintenant, c'est là, on introduit maintenant l'oignon. Voilà, par exemple, l'oignon. Vous êtes en train de louper une partie du coup. Hein. Voilà, vous voyez, quand j'ai mis l'oignon, ça a commencé à se stabiliser dedans. Vous voyez, on met l'oignon. Vous avez dit quoi? Très bien. Là, il y a toujours une fin. Ah, il y a
a toujours faim. Et c'est la faim là qui est intéressante. Comment ça finit? C'est ça. Les gens ne combattent pas. Vous voyez, donc vous laissez. On souffre le plus content. Mais non. Comme dans notre village. C'est pas comme ça. Ça n'existe plus, si c'est ça. C'est fini, c'est fini. Mais c'est quand même ça. Ben, c'est la oh, le joueur avec ça. Maintenant, les petits qui mangent sortent dans ses narines. Là, ça fait partie de l'odeur. Ah, vous allez le tuer. Ça fait partie des odeurs. Oh, nous, c'est odeur la même. Ça rend un crâne. Ça doit donner sur les îles. Oh, hommage à nos mémés du village. Hommage à nos grands-mères. J'ai pas fini ma bouteille d'eau. Ma ceinture. Pardonnez, je suis chez moi. Oh là là, mais tu es chez moi. Désolé. Ça fait partie de la cuisine. C'est vrai qu'il est à table avec ses disciples. Il dit à un de vous qui va me livrer, celui qui mettra la main en même temps que moi. Dans le plan, c'est lui. Viens. Non, regarde ça là-bas. Ça, c'est demain. Oui, si, c'est la surprise de demain. Laisse-moi. Oui, si, si, mais demain. Non, mais je commence. Oui, si, si. Ouais, demain. On va mettre ça comme ça, ça sort bien. Dans le plan, c'est lui qui va me livrer. Cette parole s'est accomplie quand c'est Judas qui avait mis la main au. Le même Judas qui a trahi Jésus. Adana Kama, oh Jésus, aide-moi. Oh non, dis pas ça. On se pratique pas. C'est cher ce mané. Tu es une princesse. Pourquoi viens me fatiguer? Pour me faire un pas qui vient de mon cœur. Ne viens pas venir de tout mon cœur. Pour toi, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Te protéger. Parce que tu es bien. Voilà, tu es bien. Quelqu'un qui se bat pour moi, qui me protège. Ah, tout ce que je peux faire sur cette terre, c'est de te devoir protection. A beaucoup d'amour. On doit courir une bonne personne dans les moments difficiles de sa vie. C'est pour ça qu'on peut s'engager dans un lieu de mariage et demain ça peut ne pas marcher parce que ce n'était pas la personne indiquée. Voilà. Les vraies personnes restent, les mauvaises personnes elles disparaissent quand vous avez tous les soucis. Hein? Les bonnes personnes restent pendant les moments difficiles. Parce qu'on ne prend pas une femme parce qu'elle se maquille. Non, désolé. On ne prend pas une femme parce qu'elle fait des piercings. Non. Parce que c'est marché, parce que, dangereux. On prend une forme à cause de son cœur, ou quelqu'un là, le cœur. C'est ça qu'on appelle une forme vertueuse. Elle te regarde, elle sait que tu es gnéni. Elle dit, je l'aime, même s'il est gnéni, je serai gnéni.
c'est la femme qui fait l'homme. C'est pas une femme, les femmes qui viennent exposer, détruire la vie des gens. Non, la bonne femme, c'est celle qui est patiente, qui est à bout, qui est prête à préserver, qui est prête à aider, faire avancer. Si vous n'avez pas ce caractère, vous allez faire des rencontres, ça ne va jamais marcher. Tu t'es marié combien de fois et tu as divorcé combien de fois? C'est ça. Ça serait un palmarès comme ça. Donc on prie Dieu. Souvent on commet des erreurs. Les rencontres avec toi, il ne faut pas commettre ça. Les gens ils viennent parce qu'ils t'estiment, peut-être qu'il est beau, il est comme ça. Moi, peut-être qu'il parle bien. Moi, je suis vidéo. Voilà. Donc peut-être qu'il parle bien. Tout ça. Maintenant, celui qui veut me parler, là, si tu es femme, il faut t'adresser à elle. Maintenant, on a l'église. Tu vois ma secrétaire. C'est ma maman. Ma maman est mariée à l'autre, en fait. C'est maintenant qu'il va entendre ma maman. C'est ma maman. Et ma petite soeur, grande soeur. Petite soeur, grande soeur. Petite soeur. Grande soeur aussi. Grande soeur aussi. Tout, tout, tout. Tu es ton bébé, ouais, ton bébé. Celle-là, le cœur qu'elle a. Non, moi, ma soeur, je connais. Chacun connaît sa chose. Si tu t'es amusé, allez prendre ta pointure du chose 41 à Tia. Et tu allais me prendre 47. Tu vas rendre témoignage. Tu vas rendre témoignage. La sauce, c'est ça. Je passerai toute ma vie en train d'aider les gens. C'est une alliance avec Dieu. Toute ma vie, c'est pour aider les gens. Je vais aider les gens. Bien. Je n'ai pas encore l'heure de la tomate pour que je te dis ça. Ouais. Je vais te montrer. La couleur est en train de changer. Tu vois, ça va vouloir prendre une autre sorte de couleur. Puis les mots vont commencer à s'arrêter un peu. On va commencer à mettre la tomate. D'accord? Non, je pose des questions. Excusez-moi, je m'excuse, mais je pose des questions pour comprendre. Non, mais tu dis, est-ce que ça va sentir? Mais le professeur donne le coup, parce qu'il connaît tout le professeur. Mais là, ça apprend la dégustation. Vous pouvez maintenant juger le cuisinier. Merci, excusez-moi, mais. C'est maître. Pas d'emblée, laissez-moi. Excusez-moi, mais je me pose une question, j'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Pose pas les questions. Je veux mieux voilà, apprendre. Mais mieux apprendre, regardez. Quand on apprend, on regarde. On regarde, on ne dit pas ce que ça ne va pas. Ok, il n'y a pas de. Excusez-moi. C'est quand on finit, d'accord. On fait la dégustation. Mais peut-être que. Non, le professeur, peut-être. Non, c'est ça. Il y a aussi après. Vous avez le coup. Ah, il file les coups, hein. Voilà, tu vois, on a la mousse en train de partir. Tu vois, ça, c'est. C'est comme ça. Quand ça va commencer à partir bien, et ça va commencer à prendre une couleur marron, on va commencer à mettre la tomate, de telle sorte que ça va commencer. Voilà. Donc, la petite là, je vais commencer à mettre la tomate. La tomate comme ça. Ça peut t'envoyer la chaîne. La maison blanche, ça trompe tes matins pour dire là. Mais ta grâce au péché, elle sera. Quand vous mettez, vous tournez un peu, vous allez voir, la sauce va commencer à se couper. Les poissons frits que vous avez coupés, va donner votre saveur, votre odeur. En même temps, ça va, si avec notre odeur arrière, la tomate, ça va détruire ça. Ça va stabiliser un peu la poisson fruit. Là, on laisse, voilà, vous voyez, la couleur va prendre. Voilà, donc, le fait que ça soit marron, ça va aller ensemble. Le rouge, le marron va être ensemble. Puis bon, ça va prendre la couleur, rouge, couleur, rouge. Ça ou bien non, c'est les petits numéros c'est moi je pensais que c'était pour nous c'est une plaque donc
que la plaque, il y a des numéros. Donc là, il y a un moins pour laisser la clé, le plus pour monter. Donc là, c'est la clé. Quand le repas est fini. Mais moi, mais bois, mais charbon. Il n'y a pas de bois. Il n'y a pas de bois. Il y a la clé, donc le matin, vous arrivez, vous avez pu souffler. Et ça s'ouvre. Ouais. Vous appuyez là pour l'allumer. On met charbon et puis le bois. Le charbon, ça rend ça douce, mais ça tue au feu. Ça chauffe ton cœur. La vie est là, elle est sur charbon. Elle va souffler. Hommage à nos mamans. Hein? On souffre. Si tout est facile, dis qu'il y a plus de temps pour augmenter le feu. Hein? Pour chasser les odeurs. Ah. Je continue de boire mon eau, c'est important. Mettre l'eau dans le corps, ça fait du bien. Ouais, la casserole de riz. Voilà. Ça prend de prendre une couleur. Donc sur le tomblé là, à la fin, tu vas lancer que comme les bateaux d'arachide. Maintenant on va saisonner. D'accord. Venez réunir au moins cette partie. Le coup. On a dit ça va te. Je suis en pleine cuisine.
Dieu est bon. Faut que tu redises le menu, papa. Hein? Faut que tu redonnes le menu, tout le monde demande. Le menu, c'est la sauce arachide de Gethsemane. De Gethsemane. Gethsemane, c'est un endroit qui est la présence de Dieu. Gethsemane aussi un lieu de combat. Gethsemane où Jésus était angoissé. Gethsemane où... Donc, c'est la sauce arachide Gethsemane. Voilà. C'est l'arachide, pas d'arachide. La pâte d'arachide. Si vous voulez, tous les ingrédients, il y a bon beau frais, n'est-ce pas? Il y a aussi... mettons aussi la cube de cube, voilà, pas saisonné. Il y a aussi l'oignon, le piment, le poisson frais, le poisson fumé. Il y a aussi le djoumblé. Vous allez me poser la question, qu'est-ce que le djoumblé? Djoumblé, c'est le gombo sec pilé. Voilà, poudre du gombo sec pilé là, djoumblé. Et à la fin, vous mettez ça dedans, ça va rendre un peu vous. Vous comprenez? Et ça va vous donner un peu de tonus pour affronter justement. Quand vous affrontez Gethsemane, ça ouvre les yeux. Comme ça, parce que Gethsemane, c'est jusqu'à la croix. Dans la cour de Ponce Pilate, l'humiliation la plus totale, conduit jusqu'à Mont Golgotha. Il y a aussi en Sévéli où on dit c'est fini pour lui. Donc il faut avoir beaucoup de force. Parce que ça doit arriver. Jésus dit non, je ne peux pas. Dieu dit ça va se faire. À un moment donné, il faut qu'on vous livre en spectacle. Et tu verras le vrai visage des gens que tu as aidé, vous dit. Tuez-le. Oh, au départ, il t'a dit, c'est un véritable homme de Dieu. C'est le méchant va se retourner contre lui. On dit, laissez Barnabas pour suffire Jésus. Gethsemane. Donc, c'est ça la sauce, Gethsemane. Tu as compris? Ça va? Très bien. Ils ont compris quand même. Ils ont compris, Gethsemane. Mais ça peut se manger, mais ça va être le riz. Nous, ça fait le riz. Le riz, ça s'accompagne avec le riz. Si vous voulez, le riz. Voilà, donc, le riz. Tout à l'heure, je vais faire le riz. C'est mon élève. J'entends un des coups de crampe. Ça va l'amener plus quelque part. Mais c'est une minute à 10 euros. Heureusement, je ne dis pas malheureusement. Heureusement. Parce qu'un professeur de cette tranche-là, nulle part ailleurs, si ce n'est pas à Lyon, ici, ça. Voilà. Donc, si vous voulez les plats, Gethsemane, on fait des plats Gethsemane. Venez voir les plats, venez voir la sauce. Venez voir la sauce. Voici, elle est déjà presque Gethsemane. Monte les narines la sauce. La narine la sauce. Gethsemane. Voilà, venez maintenant. Venez. S'il vous plaît, on n'est plus là, on est plus subi les coups. Vous fiez les coups. L'élève file les coups. Non, je vois. L'élève file les coups. J'observe, je regarde. L'élève file les coups. Je fais votre ménage en même temps. L'heure n'est pas au ménage, s'il vous plaît. C'est les coups, si vous les ratez, c'est pas bon. Vous allez faire manger n'importe quoi aux gens. D'accord. Et puis c'est moi qui m'endosse les responsabilités. Donc moi, j'aurai plus de l'argent. Oui, merci. Mais je veux que ça soit gratuit. Je regarde. Regardez, maintenant, c'est maintenant le double va jouer son rôle. Vous voyez? Puisque vous voyez déjà que tout ça, voilà, vous sentez ça déjà maintenant, bah, c'est du djoumblé. J'espère que c'est le vrai djoumblé. C'est pas les djoumblé. Ah, vous faites un truc, hein. Si c'est l'autre djoumblé. Je vais te donner djoumblé de Côte d'Ivoire. Ah, il faut nous donner djoumblé de Côte d'Ivoire. Djoumblé de Côte d'Ivoire. On va donner djoumblé d'ici, s'il vous plaît. Merci. Je sais pas. La recette, allez-y madame, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Voilà donc, c'est comme ça, regardez. Vous avez votre truc ici, le bois, vous mettez comme ça, vous coulez, d'accord. Vous allez voir qu'à un moment donné, ça va, voilà. Ça va tout voir. C'est tout ce que je recherche pour rendre ça.
sauce là. Jusqu'ici, je suis prêt à vous voyez maintenant. Maintenant, je vous permets de goûter parce que c'est vous qui avez le djumblé. On va essayer de se faire. Waouh! Waouh! Tellement doux que c'est plus simple. Je regarde avec. Non, c'est les femmes qui l'ont dit le plus simple. Attends, je regarde. Je finis pas pour être comme ça. Moi, j'aurais mis un peu plus. Pas sexe, c'est. Surtout que moi, je ne mange pas sexe, c'est aussi. Et voilà. Donnie Akbi, c'est quoi Akbi? Akbi, Donnie Akbi. Le feu chez Akbi là-bas. Depuis qu'on met Akbi dans son sarachi, le feu, monsieur, soit délivré. C'est pas préparé. Prenez votre temps sur le cou, vous les filez le cou bien. C'est très bon, hein? En tout cas très 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 bon. J'ai beaucoup de bonnes choses. Okay. On va faire le riz, vous allez faire votre riz. Oui, pour faire le riz, c'est un ancien. Mettez la casserole. La casserole est là. Ok. L'huile avec l'oignon, d'accord. Vous ferez surtout le beurre. Allez, parce que c'est pour celle-ci, c'est plus pratique que théorique. C'est le coup que je vous donne, c'est le coup qu'on prend ça une fois dans l'année. Non, parce que moi, ce, je prépare. Mais donner, partager ma connaissance, c'est le truc qui peut vous amener demain quelque part. Et donc, je veux votre élévation. Donc, le fait que je vous donne ce coup. Venez montrer les narines de la sauce. Vous voyez les narines là. Moi je connais pas beaucoup. Les Non, pas de critique. Voilà, pas de critique, c'est la sauce jasmané. La sauce arachide jasmané. Dans le jardin de jasmané, c'est la sauce. C'est bon. Parce que par moment le sel c'est pas bon. Et maintenant on fait attention à beaucoup de choses. Parce qu'on a beaucoup de choses dans la venue. On doit faire le tour du monde, je dois aller prêcher aux Indiens. N'est-ce pas? Tout ce qu'on est. Je dois prêcher aux Chinois.
Quelqu'un dit que tu es un vrai européen. Quelqu'un dit que tu es un vrai européen. Évitez. Non, restez le sel du riz, vous allez tomber malade. C'est pas bon. C'est ça la sauce arachide jasmine. Comment on va écraper le riz? Hein? Comment on va écraper le riz? Jasmine ton. Jasmine ton en train de se faire. Le jasmine ton est en train de se faire maintenant. Heureusement pour moi est parti. Ah, mais il y avait le vent avant. Mamma mia. Maintenant je fais 87 kilos. Bien plus assez. Sinon avant tu fais des délivrés, placali, polo, sorti critique. Et 1h du matin. Hein? C'est quoi ça? Le jasmineton, on a besoin un peu d'eau aussi. Les gens préparent les gamelles. Hein? Les gens préparent les gamelles. Pourquoi? Préparent les gamelles pour venir chercher la part. Non, s'il vous plaît, je suis désolé. C'est pas pour tout le monde, voilà. Prenez les odeurs seulement. Encaissez les yeux. Nous même on est maillé déjà. On t'a pas invité du bébé. Pourquoi vous êtes chaud sur maillé déjà? Il y a quoi? Attire, il y a quoi? C'est maillé déjà, vous voulez moyen. Bon, il faut diminuer. Parce que là, c'est cuit là. Ça va, c'est cuit. Viens, 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 viens. C'est cuit là, c'est cuit. Tu mets un truc en silence. Parce que le bas est en train de brûler. Oui, merci. Voilà, c'est bon. Non, c'est bon, c'est trop bon. Merci. Bien, j'ai donné les dernières recommandations. Ici, ça fait plaisir d'être à la maison. Ça fait plaisir après un moment très mouvementé, n'est-ce pas? Ça fait plaisir de regagner la maison. Ça fait plaisir. Voilà. Avec une grande dame comme ça. Quand vous voulez vous marier, mariez des femmes discrètes, effacées, mais avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Mais aussi qui ont la crainte de Dieu et qui aiment l'homme. L'homme est prêt à faire avancer. C'est ça la parure intérieure. On dit la femme vertueuse, elles sont rares. Une grâce de Dieu. Voilà. Donc, quand quelqu'un dans le porno-œil, il ne voit plus ailleurs. Voilà. C'est ça. Dans la vie, quand tu ne combats pas, c'est que tu n'es pas important. Jésus n'a jamais dit, si vous me servez, on va vous acclamer. Et vous serez persécutés. C'est moins temps. Pour ça, il dit la promesse, même si elle tarde. Parce que la promesse, elle peut même tarder. Elle s'accomplira. C'est elle.
Ils vous feront la guerre, mais ne vous vaincront pas. Car je suis avec toi. Donc c'est une promesse. Même cette table, ça compte. C'est un mot. Pour vous dire un mot, la persévérance. À un moment, il faut fermer l'oreille à tout. Il faut vivre sa propre conviction. Il faut rentrer dans la vision de Dieu. Quand tu es convaincu que ce que tu es en train de faire est vrai et que tu n'es pas perturbé. Voilà. Voilà, c'est ça qui est plus important. Voilà. Mais à Gethsémani, comme ton Gethsémani, c'est là où tu découvres. Parce que les gens peuvent être avec toi. Et quand tu as Gethsémani, c'est là que tu découvres le vrai visage des gens. Voilà. C'est ça, Gethsémani. Parce qu'il y a une étape de ta vie. Parce qu'après la croix, c'était l'élévation. Mais il fallait savoir réellement si qui s'appuie. Mais la Bible dit que celui qui livre le Fils de l'homme, malheur à qui le Fils de l'homme est livré. Retenez ça. Voilà, retenez ça. Ce que tu fais aujourd'hui à quelqu'un, on te fera ça un jour demain. C'est là que je préfère. Les gens attendent que tu dises quelque chose. Pardon? Qu'est-ce qu'ils attendent? Que tu dises quelque chose. Par rapport à quoi? Bonjour, des cœurs, des merci. Ah, c'est pas pour maman Bessora. Pour maman Bessora. Donc je remercie tout le monde déjà pour mon anniversaire. Tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Et là, nous sommes en famille chez nous. Hein, pour un repos et pour partir jeudi. Merci à tous. Joyeux anniversaire, on va continuer quand on tombe. Tu exagères. Pas exagérer dans l'amour. Mais si tu il y a ton anniversaire en janvier, donc. Non, on parle de maintenant. Joyeux anniversaire. Tu es ma maman. Joyeux anniversaire. Je t'aime beaucoup, les amis. Ça peut déranger beaucoup de gens. Mais le cœur d'un homme est une seule femme. En plus, celle qui est bon. Tu es mon choix. Celui qui veut pas ça. C'est moi ce qui vit ma chose. Les amis. C'est moi qui ai choisi ma chose. Les amis. Joyeux anniversaire. Merci à tous. À tous. Maintenant, merci. Le reste où on mange là. On ferme le rideau. Mais... les gars, je viens voir la sauce. Dangereux. Dangereux. Oh, monsieur. Monsieur, monsieur qui est invité là. Monsieur, anniversaire, viens manger. Ouais, la sauce. Il se connaît, je l'ai vu en ligne. Monsieur, il s'est posé la question, est-ce qu'il m'a été préparé? Ouais, là, ici. Les anniversaires, puis ça, c'est long. Des lions. Voilà, donc, tout va bien. Voilà, tout va bien. C'est Gethsémani. Il y a des choses qui doivent arriver. Il y a des moments où les gens font ce qu'ils ont envie de faire. Mais nous regardons au Seigneur et au soutien de l'Éternel, le Dieu des armées. Les gens même qui ne sont même pas importants, qui ne sont même pas importants. Eux-mêmes, là, c'est des graves péchés. Ils trompent leur mari, ils trompent leur femme. Ils sont dans les gnéni, les drogués. Et c'est comme ça, Jésus, à un moment, des drogués, des criminels, disaient crucifiés. Tu ne peux même pas se comparer à toi. Donc, par moment, il ne faut pas te rabaisser. C'est l'avenir. La seule chose, c'est qu'il y a une fin en toute chose. Et comme on finit, on a cette promesse de Dieu. On est content. On est zen. On n'essaie pas la provoquer. On ne rentre pas dans les jeux des gens. Tu as affaire à moi, tu n'as pas affaire à moi. Mais voici. Quand quelqu'un va t'insulter sur la route. Moi, je n'ai rien. Je me reproche rien. Je n'ai pas de problème. C'est celui qui a des problèmes qui s'exhibe. Vous savez très bien que diffamer quelqu'un, c'est une condamnation. Il y a une plainte judiciaire par rapport à tout ça. Voilà. Et moi, je suis sain dans ma tête. Je n'ai pas de problème. Je ne me reproche rien. Je n'ai pas de problème. Voilà. C'est ma vie.
que je la vis pleinement. La sauce, voilà. Monter des choses, des documents, monter des choses, je n'ai rien à voir ça. Elle connaît mieux, on a tout expliqué. Je n'ai rien à voir vos coloris. Voilà. C'est pour vous dire, celui qui veut croire, il croit. Celui qui ne veut pas croire, tant pis. Moi-même, je ne me reproche rien. Je suis grand dans la tête. C'est mon geste mané. Vous avez compris? Donc je découvre plein de gens qui sont bien, mais en même temps des gens qui vont Bori. Bori Bana. Il y a un quartier d'Abidjan qu'on avait Bori, là où c'est fini. C'est bien la lagune, ça dit Bori Bana. Là tout le coup quand on dit ah, Bori à Bana, ça dit c'est fini. Voilà, voilà donc les gars, pardonnez, c'est pas un péché, mon obligé. De fermer. On est obligé de vous dire au revoir parce que joyeux anniversaire. Ah, je suis très heureux. D'ailleurs, ils sont souvent contre bonheur déjà. Voilà, donc on va manger la petite partie qu'on mange là. Laissez-nous ça. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà, donc version Lyon, on est ensemble. Voilà, on est ensemble. C'est mon geste mané. Voilà, je ne me reproche rien. Je suis très heureux avec celle, l'élu de mon cœur, qui me la démontre toujours. Merci à tous. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Bon, ben, là, on est chez nous, là, à Lyon, pour un repos jusqu'à jeudi. Donc. Mon mari vient de finir de faire la cuisine. Chérie, je te remercie pour la cuisine, même si je n'ai pas encore goûté. Béatrice, viens. Viens, fais un petit bisou. Viens, fais le petit bisou. Fais-moi. Non, c'est moi qui fais le bisou. Ah, oui. Parce qu'elle dit, même si on est resté longtemps au village. Voilà, donc je suis très heureux. Voilà, très, ça va bien, on est... Oui. C'est vrai, j'étais fatigué. J'ai la grippe, on me donne des médicaments, ça me fait drôle. Je viens de me réveiller. On a la première, notre première fille, Béatrice, qui est là. Béatrice. Voilà, et puis on a des invités. Mais les invités, là, ils ont 20, hein, ils arrivent. Ils sont pas au régime. C'est pas comme pour moi, c'est fini. Hein, j'ai travaillé ça, hein. Ah oui, chapeau. T'as bien bossé, là. J'ai bien bossé. Mon secret, souvent un repas par jour. Je remercie Béatrice d'être venue nous voir aussi. Et merci encore à mon bébé pour tout ce que tu as fait pour nous pendant, pendant la manifestation. Oh. Voilà. Merci, merci. Voilà, merci. Donc je vous dis la fin du film, c'est ça? Ça va bientôt gérer ça dans l'estomac. On va gérer. Et au revoir, les gars. Imaginez seulement et puis voyez ce que ça va donner.